Hello tout le monde, c'est Falken et bienvenue sur votre 29e épisode de notre Let's Play sur Rise of the Tomb Raider. J'espère que vous allez toutes et tous bien et bienvenue encore une fois dans un épisode objectif bonus. Nous allons tout simplement refouiller différentes zones pour récupérer les documents, faire les missions, prendre les reliques, les totems et tout ce que vous voulez, les cryptes, les tombeaux et tout et tout. Par contre, suite au visionnage et au montage du 28e épisode, je me suis aperçu que franchement, c'était pas très 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 sympa pour vous de vous proposer finalement d'ellipse. Donc, je vous préviens, dans cet épisode, il va y avoir beaucoup de montage pour moi. Nous allons nous retrouver tout simplement à chaque fois sur des passages que je vais vous dire et vous mettre sur la carte. Ok les amis. Donc de mon côté, là, ce que je vais faire, je vais d'abord aller dans le centre de recherche et nous allons, si possible, se retrouver ici. Pour aller chercher ici la cage de survie et ici une autre cage de survie. Je vous dis donc à tout de suite. Et re les amis, je vous retrouve donc dans cette zone où nous avons donc la deuxième cage de survie. Il y aura certains passages hein, où je vous montrerai tout simplement par le symbole de la carte, hein, on est bien d'accord, certaines zones que j'explorerai mais pas besoin de mon commentary, on est bien d'accord. Je vous reprends par contre au niveau du commentary, pourquoi? Parce que j'ai peut-être compris ce qu'il fallait faire au niveau de la mission. À savoir ça, voilà. Le défi est terminé, on l'avait commencé, il y en a 4, d'accord. Donc en gros, il va falloir, détruire tous les chasse-neige. Et au moins comme ça, on sait. Mais les chasse-neige qui ont, on est bien d'accord. On est bien d'accord, si vous avez suivi, une sorte de baril. Donc on va chercher ensemble, hein, au niveau de la carte. On est ici. D'accord. On va bien voir. Hein. Voyons voir. Encore une fois, hein, je pense que je le ferai en off hein, pour vous. Mais au moins comme ça, si vous faites le jeu de votre côté, je peux vous montrer. Comme moi, parce que là, cette vidéo va me prendre beaucoup de temps de tournage. Hein, et bien tout simplement vous dire hein, quel est le début. Après, à vous de rechercher. Hein. Je vais quand même pas tout vous faire, on est bien d'accord. Ça m'étonnerait qu'il y en ait là-haut. Je pense que les... dire les premiers doivent être sur la zone précédente, logique. Donc on va revenir sur nos pas. Clairement, c'est ce qu'on va faire. Hop là, là il n'y avait rien. Donc nous, faut qu'on aille par là. Voilà. Et voilà, on peut sauter comme ça, c'est parfait, très bien. Au moins on sait qu'il faut faire ça. Alors, on repasse sur le feu de camp. Je suis passé par, tout simplement. Vous l'aurez compris, pour le voyage rapide, et on va voir pour la suite. Hein. De toute façon, les éléments, voilà, apparaissent en surveillance, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et voyez, tout ce qu'on gagne comme expérience, c'est plutôt sympathique. Donc il suffit juste de checker, hein, après à chaque fois, mais il faut juste qu'on les trouve, hein. On est bien d'accord. Si je... on va dire que si, franchement, je galère, hein, je vous ferai... on va dire exception et je ferai ça en off. Hein. Mais, de toute façon, qu'on soit bien d'accord, les chasse-neige ne peuvent être que sur les traces. Donc là, on va revenir. Genre par là. Est-ce que celui-là en aurait un ou pas? Non. Donc, vous rappelez-vous, on pouvait repasser par la zone par là. Hop, là on est sur la première cage de monnaie hein, que je vous avais fait tout simplement sans commentaire. On est d'accord, on va se dépêcher quand même un petit peu sans ce fail. J'ai bien dit sans ce fail. Parfait. Nickel. Après ça va, est-ce qu'il y aurait des chasse-neige dans cette zone? Normalement oui.
Là, rien du tout. Là, oui, regardez. Voilà. Il nous en manque un seul, les amis. Donc il va être au début de la zone, on peut supposer. On va regarder, hein. Ok. Alors, par ici. On peut pas y retourner. Voyons voir. Là, on revient comme ça. Ok. Ça m'étonnerait qu'il y en ait par ici, mais bon, écoutez, on va quand même checker. Hop là. Par ici. Non. Non, il n'y en a pas, c'est sûr et certain. Ok les amis, ce que je vous propose, dès que je l'ai trouvé, je vous fais, eh bien, une petite vidéo tout de suite après. Et pour vous montrer où est le dernier. Allez, à tout de suite. Et re les amis, je vous retrouve non seulement pas dans le centre de recherche parce que tout simplement après avoir tourné une vingtaine de minutes, eh bien je n'ai toujours pas trouvé le dernier baril explosif, eh bien concernant les chasse-neige, hein, rappelez-vous. Je sais que pour moi ça fait un petit moment déjà au niveau du tournage et pour ça. Donc j'ai décidé en fait de poursuivre, je vous rappelle ici sur une zone qu'on n'avait pas terminée, à savoir dans les archives inondées. Et si on se rappelle bien, on avait déjà ici une première cache de monnaie qu'on avait oubliée. Je m'y suis rendu et elle est juste là. Si je ne me trompe pas, voilà, juste là. Voilà. Donc déjà, une bonne chose de faite. Très bien. Ensuite, il nous restait quelques petites choses à chercher, comme par exemple ici encore une cache de monnaie. On va aller la chercher tout de suite. En tout cas, j'espère que le format vous plaît, même si je ne vous montre peut-être pas tous les passages qu'il faut, etc., etc. On fait quand même un minimum de choses ensemble, hein. J'espère que ça vous plaira, parce que croyez-moi, pour ma part, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de durée de tournage, hein, pour essayer de vous capturer tout comme il faut, hein. Ok, on espère qu'il n'y aura pas seulement par contre de nouveaux ennemis, c'est tout ce que je demande. Ok, on est assez proche, hein, on est assez proche, ça a l'air d'être bon. Alors rappelez-vous cette zone, c'est où on avait les fous là quand on avait retrouvé l'Atlas, hein, c'est bien ça. Ok, c'est juste là-bas, puis en plus il y a des ennemis. Génial. Voyons voir. Ouais, en plus, ils sont plutôt pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas crafter? Voilà. D'accord, on va essayer, hein. Ça va être plutôt pas mal. Ok. Désolé, mais j'ai pas trop envie de perdre de temps, si vous voyez ce que je veux dire. Qui était où toi? T'es là-bas. Voilà. C'est bon? Alors du coup, est-ce qu'on peut crafter? Parce que oui, dans certaines zones, hein, quand vous revenez, il y a eh bien des ennemis qui réapparaissent. Donc bah c'est pas pour me déplaire, hein, je dois vous avouer. Ok, et on voit qu'on a loupé des choses hein, dans cette zone finalement. Hein. On a loupé des choses. Mais bon, c'est pas grave, hein, rassurez-vous. Tac. Parfait. Du coup, on va pouvoir récupérer des munitions parce que j'ai utilisé pas mal de flèches, hein, dire ce qui est. Et nous allons récupérer, hop là, nous allons récupérer la cache qui est juste là. Parfait. Encore une chose de faite, les amis, donc ça me plaît beaucoup. Et rappelez-vous, il y a aussi, eh bien, juste là, un document. On va voir où il est. Il est par où le document? Ah d'accord, il serait là-haut. Par contre, comment on fait pour remonter? C'est là la question, les amis. Ouais, c'est ça. Je m'amuse à ça, là, depuis 2 heures de tournage, à peu près. Mais bon, c'est vraiment parce que je le veux, hein, mais c'est ça pour qu'on essaie de compléter à 100%. Hein. On est bien d'accord. Ok, est-ce qu'on pourrait pas remonter comme ça, ici? On va regarder ensemble. Ouais, ça a l'air d'être possible. Hop! Alors, par contre... Ah, mais pourquoi c'est fermé? Oh, pourquoi c'est fermé? Attendez. Hop là, non, c'est pas par ici. Donc il faut forcément revenir dans la zone par ici, très bien, mais je vois pas l'accès pour monter en fait. Il est juste là-haut le document, très bien. Et ça, c'est une chose que je veux faire avec vous. Donc là, non. L'Atlas se situait juste ici, rappelez-vous les amis, rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous. Ah, attendez. Là.
Pas moyen de monter ici? Non. Non plus. Non, elle veut pas. Elle veut pas, Lara. Elle veut pas du tout. Très bien. Par ici. Ah, attendez. Non, pareil. Ah, là peut-être. Voilà, parfait. Il faut avoir le coup d'œil, hein. Il faut avoir le coup d'œil, il faut surtout ne pas paniquer et ça va se faire, ça va se faire. Allez. On va essayer de pas se fail par contre les amis. Hop là, tac. Allez, par contre, je monte Lara, merci, c'est cool. Oh là là, tout est en flamme. On avait exploré hein, tout ça, rappelez-vous. Hop là. Allez, on court, on court, on court, on court, on court. D'accord, donc on peut pas passer, super. Alors comment on fait à partir de maintenant? Là je suis intrigation. Et le document il nous tend les bras. Ah attendez. Là. Oui attendez. Y'a moyen qu'on tire déjà sur ça ou pas? Ah, ok ça explose, pas de soucis. On va essayer de redescendre. Hop là, hop là. Ah mais oui. Comme ça. Comme ça. Et comme ça, parfait. Ah je suis content. Pas évident, pas évident du tout. D'accord, récupère des flèches, parfait. Et un document les amis. Avec la mort de l'empereur, la grâce du prophète a pris fin. Et nous avons dû entamer notre exode enveloppé dans la nuit. Le nouvel empereur ne voit pas le prophète d'un bon œil. Aussi n'a-t-il rien fait pour arrêter les chevaliers de l'ordre de la Trinité. Nous avons gagné le désert pour prendre un nouveau départ, mais les Trinitaires nous ont retrouvés, et le prophète a été assassiné. Je l'ai vu mourir. Nous avons placé son corps dans une grotte près de l'oasis, et, rongé par le chagrin, nous avons commencé à ériger son tombeau. Mais les membres de l'Ordre de la Trinité n'en ont pas fini. Ils voulaient certes la mort du prophète, mais ils convoitent aussi la source divine. Ils reviendront. Toutefois, en notre heure la plus sombre, le prophète s'est levé. Il a vaincu la mort, tout comme nous vaincrons nos ennemis. Eh bien, un document, ma foi, certes très intéressant. Ok, les amis. Donc au niveau de la zone, ici, nous avons fait... Eh bien, il nous manque tout, sauf une fresque qui est... Si on ne se trompe pas, eh bien, si on regarde. Juste zoomer. Alors, la fresque, elle est ici, a priori. Très bien. Je vous retrouve, eh bien, pour essayer de la déchiffrer tous ensemble. À tout de suite. Et re, les amis. Alors, je ne vous retrouve pas au niveau, finalement, de la fresque. Mais j'ai décidé de faire un voyage rapide entre... Donc, le feu de camp qui est ici, qui était sur la salle des archives, vers celui que nous avions, eh bien, un petit peu plus haut, qui n'est pas mis sur la carte. Voilà, celui-là, juste là, pardon, autant pour moi, à l'infirmerie. Et nous allons pouvoir trouver ici une cache de monnaie et un sac d'explorateur. C'est ce que nous allons faire tout de suite. Tout d'abord, en prenant ici la cache de monnaie. Ça, c'est très très bien, les amis. Parfait, ça nous en fait 15. Et donc, le sac d'explorateur, où il est? On va le mettre en évidence, hein, on va bien voir. Ici, voilà. On est bien sûr retourné dans la salle géothermique, hein, vous l'aurez compris. Voilà, on se retrouve de ce côté-là. D'accord, il est juste là. Pourquoi pas? Waouh! Et voilà, secret dévoilé. Très bien. Alors finalement, on a plus encore augmenté nos chances, eh bien, d'avoir des choses. On est bien d'accord par ici. Oh, par exemple, une cage de survie en plus. Aussi ici. Alors, ce que je vous propose maintenant, on va essayer, eh bien, de chercher le document ici. Mais alors après, par où faut passer? Je n'en sais rien du tout, les amis. Vraiment, je n'en sais rien du tout. Je vous dis donc à tout de suite. Et re, les amis, je vous retrouve dans la vallée géothermique. Rappelez-vous, il y avait toujours ce document où je ne sais absolument pas comment faut faire. Alors sachez que j'ai récupéré 3 caches d'armes. Il y en avait précisément une ici,
La deuxième était au tout début du village, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, juste par ici. Hein, je vous ai épargné le fait de le voir eh bien, en vidéo. Et j'en ai récupéré une, on va regarder juste là. Et rappelez-vous, eh bien, je pense, regardez. Ici, il nous manquait, si vous vous rappelez, dans cette zone, j'ai essayé vraiment par tous les moyens à essayer de récupérer eh bien, ici la fresque. Sauf que je me dis, si je repasse, eh bien, par la zone que l'on va prendre maintenant, vous vous rappelez, donc là, nous on arrive de par là, hein, je vous rappelle, là, juste devant, on est sur, bien sûr, la suite du jeu, eh bien, on va pouvoir peut-être, et c'est en allant chercher la cage de survie, il y avait une grotte par ici. Qui dit une grotte dit peut-être qu'on va avoir un joli passage pour nous permettre, eh bien, d'exaucer notre vœu, et voilà, on repart vers les archives inondées, c'est exactement ce que je pensais. C'est parfait, donc tac, 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 on va mettre en surbrillance la fresque. Parfait. Et on va aller la chercher ensemble. En tout cas, sachez que ça me prend beaucoup de temps, vraiment, mais vraiment beaucoup de plaisir à vous le faire parce que ça me laisse le temps de réfléchir, de me poser le jeu, etc., etc. Franchement, c'est super sympa. Je dois vous avouer, c'est vraiment très, très, très sympathique. Ok. Donc là, par contre, hop là, partir comme ça. Heureusement que nous avons le respirateur, les amis. Hein. Heureusement. Bizarre d'ailleurs qu'on avait loupé cette fresque. Ou alors on n'avait peut-être pas le niveau de langue requis pour pouvoir déchiffrer la fresque. C'est pas grave, de toute façon, comme ça tout est fait. Alors, on a l'air d'être sur la bonne voie, les amis. Voilà. Alors, on n'est plus très loin, je pense. Ok, juste là. Hop. Très bien, et puis ça me fait du bien de vous reprendre un petit peu aussi en vocal parce que bah, je dois vous avouer que sinon c'est pas très. Comment dire? C'est un petit peu ennuyeux de faire le jeu de son côté, hein. J'ai tellement l'habitude de commenter avec vous maintenant. Gauche maudit, voilà. Ah, attendez. Peut-être qu'on n'avait pas l'aspirateur. C'était peut-être ça. L'aspirateur, le respirateur, à chaque fois je dis. Oh là là, c'est pas possible. Hein. On va essayer de pas louper. Voilà, c'est par ici, on continue. Allez Lara. Lara, franchement, elle a fait beaucoup d'efforts. Hein. Là, vous pourrez pas dire le contraire. Elle a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Ok, allez. Bien. On est toujours sur la bonne voie. Parfait. On speed. Ouais, c'est ce que je fais tout le temps. Hein. C'est ce que je fais depuis le début. On a pu louper. Parce que c'est encore loin. Oh! Ah, dis donc. Ok, mais je fais comment là? Ah d'accord, faut monter. Eh bien, on se dit pourquoi pas. Ah, il va falloir placer une flèche. Hop là, parfait. Hop. Très bien. Donc, ça a l'air d'être par là. Pourquoi pas, très bien. On a l'air d'être sur la bonne voie, hein. C'est encore loin? Ah ouais, il y a encore du chemin, les amis, hein. Bah, c'est pas grave, on le fait ensemble, hein. Ok, allez, on continue. Au moins, ça vous fait de la bonne action comme vous aimez. Oh. Allez là. Parfait. Très bien. Et comme ça nous fera une zone de plus à 100%. Et ça me fait super plaisir. Et on a encore augmenté la vallée géothermique. C'est super sympa. Ok. Donc là, c'est bon. Ah, mais là, si on avait crafté la. Comment dire? C'est là où on avait crafté. Comment dire Hop là, ouf, j'ai eu peur que ça passe pas. C'est là où on a crafté les flèches grenades, si je me trompe pas. Ok, alors après, prochaine destination, par là. Ah bah écoutez, mais c'est peut-être une zone où on pouvait pas y aller encore, je pense, avec toutes les explosions qu'on avait eues, etc., etc. Comment on a fait pour le louper? Ok, bon bah juste là. À son apogée, la ville était une merveille. Ses bâtiments n'avaient rien à envier à ceux de l'Empire. Ok, la zone est faite à 100%? Eh bah écoutez. Ah bah non, 94, pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque? Une cage de survie. Et elle est où la cage de survie? Non, on a loupé une cage de survie, mais elle est où? Bah si elle n'est pas stipulée sur la carte, on fait comment? Il nous manque une cage de survie. Alors là, je suis mais dubitatif. Comment? J'ai tout fait dans la zone? J'ai tout fait, franchement. Regardez, on a tout à 100%.
On n'a rien qui apparaît, je suis pas fou, hein. On a tout fait, on a tout fait. Où est-ce qu'elle pourrait être? Où est-ce qu'elle pourrait être, cette cage de survie, mon Dieu? Peut-être en révélant d'autres secrets, hein. Il y a peut-être, comment dire, d'autres événements qui vont apparaître, hein. C'est ce que je me dis. Ok, les amis, prochain objectif, comme on a fait ici, hein, il nous manque, eh bien, une cage de survie. J'aimerais bien quand même essayer de récupérer ce document. Donc, bah écoutez, je vais tout faire de mon côté et je vous dis donc à tout de suite. Il y a une femme dans la vallée à présent. Elle n'est ni avec nous, ni avec eux. Je l'ai vue la nuit où Elias s'est fait tuer. Elle combattait les hommes qui nous pourchassaient. J'entends les premiers éclaireurs chuchoter. Mon père et cette femme ont été vus, marchant librement. J'ignore ce qu'elle veut et si nous pouvons lui faire confiance, mais si elle nous ramène mon père, alors peut-être que Dieu ne nous a pas abandonnés.
Et re, les amis, après cette petite transition où plusieurs vidéos sans commentary se sont enchaînées, nous nous retrouvons donc, après avoir fait l'exploration, je pense, franchement quasiment complète, de la vallée géothermique, les archives inondées. Je vous rappelle, il nous manque juste une cache de monnaie, ça m'énerve, pourquoi elle apparaît pas? Est-ce que ce serait pas un bug du jeu? Bref, si vous n'avez pas d'idée, dites-moi en commentaire. Terre, et bien honnêtement, et bien on verra bien. J'irai voir sur une carte, sur internet, on verra bien, on verra bien. Ici, le centre de recherche, il nous manque, je vous rappelle, le défi, vous savez, des barils à exploser, là, via les chasse-neige. On se retrouve donc ici, et bien, à l'Acropole, où on avait plusieurs choses à découvrir. On a un document ici, on a un autre document là, on a une cache de monnaie ici. Et on a encore d'autres documents par là, donc bref, on va rester encore ensemble. Je sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo, mais à mon avis, elle va être assez longue, croyez-moi. Ok, allez, c'est parti. D'abord, documents. Nos ancêtres sont venus ici, hommes et femmes, fuyant Byzance. Ils ont erré dans une nature hostile qui les a presque tués. Mais ils ont survécu et fini par trouver cette vallée. Et comment ont-ils honoré ce cadeau de Dieu? En arrachant des pierres à la montagne et en construisant un nouvel empire, tentant de rivaliser avec celui qui avait failli les anéantir. Mais comme aux habitants de Babel, Dieu nous a donné une leçon pour nous enseigner l'humilité. Nous avons appris à écouter cette terre. Nous sommes devenus des gardiens et non plus des envahisseurs. Et en retour, la terre nous a dévoilé ses secrets. Il suffit de tendre l'oreille. Très bien. J'aime bien franchement partager les documents avec vous. Je trouve que franchement la VF est excellente. Ok les amis, on se retrouve ici. On va prendre la cache de monnaie ensemble hein, pendant qu'on y est. Donc elle est juste par là. D'accord. Vous m'étonnez qu'on puisse pas tout avoir aussi. Hein, elle est juste là. Ok, ça c'est fait. Parfait. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Nous allons aller prendre le document qui est par là. Hop. Alors, il faut aller par ici. Alors, est-ce qu'on peut y accéder? Comment ça se passe? Voyons voir. Attendez. Je vois que le chemin est bloqué. Non, donc c'est pas comme ça. Hop là, demi-tour. Ce serait par donc par ici? Non, du tout. Donc, hop. Et ce serait par là. Alors, j'espère. Sinon, je sais pas comment on va faire. Faudrait faire le tour, alors, c'est ça. Ouais, non, peut-être pas. On va regarder ensemble, hein. Je me rappelle, ce document, on l'avait loupé de peu. C'est bien dommage, d'ailleurs. Ok, on est sur la bonne voie. Très bien. Bon, en tout cas, j'espère que ce... Je pense avoir trouvé le titre de ce 29e épisode, ce sera Volcano Montage, hein, parce que je trouve que c'est plutôt intéressant. Ok. Tac. Ensuite. Voyons voir. Ah oui, d'accord. Donc, on va essayer un petit peu de se dépêcher. Hein. En tout cas, ça fait du bien d'avoir les caches de monnaie et tout ça, les caches de survie, parce que comme ça, on a de nouveaux composants. Et moi, comme ça, ça m'a permis de crafter des équipements. En gros, je vous ai pas montré pourquoi, parce que... C'est juste pour vous dire, vous pouvez porter plus de munitions, etc, etc. Ok, par contre, maintenant, je fais comment? D'accord, je fais comme ça. Hé hey! Oh, on s'est accroché, là. Oh, non. Allez. D'accord. Allô, le jeu. Non, d'accord. Point de chargement. Voilà. Bon, ça va. On n'est pas très loin. Allez, on recommence. Parfait. Allez, on se dépêche un peu parce qu'on a quand même plusieurs choses à faire dans l'Acropole. Hein. Mine de rien. En tout cas, ça fait du bien de retrouver un petit peu, eh bien, des décors comme il faut. Et encore une fois, sachez que je vous montre pas le scénario parce que c'est dans la volonté hein, de vous tout vous montrer. On est bien d'accord. Tout vous montrer en termes de, bien sûr, de secondaire. Hein. Excusez-moi, je cherchais mon point. Mais oh, pourquoi tu veux pas t'accrocher, Lara? S'il te plaît, non! Mais comme ça, vous allez peut-être me voir rager, hein. Ça va peut-être vous faire plaisir, les amis. Ah là là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Le titre, ça sera pour, je pense, Volcano Montage. Un petit dédicace à Sifano.
L'année dernière, pour ceux qui ont suivi l'affaire, entre Nutitaf et Sifano, bien sûr. Allez, on recommence parce que là, ça commence un petit peu à me saouler. Mais je veux tout quand même partager d'une certaine manière avec vous, hein. Même si je me contredis en disant non, mais je veux faire des ellipses, non, je veux pas tout vous montrer. Eh ben si, je veux tout vous montrer, ce sera comme ça. Par contre, on peut pas plus descendre. Non. Bien par là. Non. Attendez, comment on fait là? Elle est bien bonne la blague, mais. Comment on fait? Il n'y a pas moyen de d'afficher quelque chose? Non, elle veut pas s'accrocher. Elle veut pas s'accrocher, donc est-ce qu'on ferait pas quelque chose? Ah, peut-être avec le cordage. Oui, je pense que c'est ça. En tout cas, très très content d'avoir récupéré enfin ce document dans la vallée géothermique, hein, croyez-moi. Ça fait super plaisir. Ok. On s'y prend peut-être de la mauvaise manière, c'est peut-être moi encore hein, qui joue mal. Donc voyons voir. Voilà, c'est juste ça qu'il faut faire. Hein. Final. On est tourné comme ça. Nous, on voudrait se rendre. Au pire. Hein. Non. Ça veut pas. Ah, je comprends pas, les amis. Je comprends pas. Pourquoi ça fait ça? Et j'espère que vous aimez bien me voir galérer, parce que là, je vous cache pas que 4 heures de tournage pour seulement, eh bien, au final, un épisode, je commence à comprendre les personnes qui font du off et tout ça pour vous proposer de belles vidéos. Croyez-moi, je commence vraiment à comprendre, vraiment. Ok, ça se trouve, fallait juste faire ça. Mais quel gogol! Gogolby, tu connais? Gogolby? Bah c'est moi, Gogolby, hein? Ok, cette fois, par contre, je joue un point de contrôle ou ce que vous voulez. Par recommencer. Ok. C'est par ici. Lara, tu sautes. Parfait. Comment on a pu louper ce document? Ça, je m'en rappelle. Oh là là. Ok. Allez. Il est juste là. Parfait. Hop là. Mais comment on a pu louper, les amis? Attendez, là, je comprends pas. C'est un outil qu'il est en bas. Oh, bah dis donc. Eh, fallait le voir, hein. Oh la vache. Il fallait en effet vraiment le voir. Quand ils ont eu vent de la résurrection du prophète, les chevaliers de l'ordre de la Trinité ont lancé une nouvelle attaque. Mais nous étions armés de notre foi. En lieu et place d'un groupe de réfugiés sans défense, ils ont trouvé une armée d'hommes et de femmes prêtes à en découdre. Beaucoup d'entre nous ont péri, mais nous avons remporté le combat. Nous avons fui, laissant derrière nous son tombeau et l'Empire. Des mois durant, nous avons parcouru les hautes plaines pour atteindre les terres glacées hors des frontières de l'Empire. Le voyage fut éprouvant, et beaucoup commencèrent à douter du prophète. J'ai honte de l'avouer, mais moi aussi. J'espère qu'il pourra me pardonner. Car maintenant que le soleil se lève sur notre peuple, la vérité nous apparaît. Il nous a menés dans un paradis sur terre, où nous pouvons prendre un nouveau départ. Dieu bénisse le prophète, car il nous a libérés. Eh bah franchement, il valait le coup ce document. Il valait vraiment le coup. Ok, il y aurait rien d'autre quand même à tout hasard, parce que bon... Au final, hein, quitte à trouver des choses... Non, il y aurait rien ici... Et de l'autre côté, finalement, alors c'est bouché. Donc, il n'y a rien du tout. Très bien, les amis. Hop. Alors, on va juste faire comme ça. Voilà. Tu vas remonter. Très bien. On a un feu de camp juste là. Et on a un défi aussi. Alors, le défi, je n'en ai aucune idée de ce que ça peut être dans ce niveau. Regardez, hein, je vous montre les statistiques. On a un défi. Coffre-fort 2 sur 3. Comment on a pu louper aussi un coffre? Ça m'étonne. Comment on a pu louper un coffre? Sérieusement, les amis? Comment on a pu louper un coffre? C'est hallucinant. Un coffre-fort, on a loupé. Relique, d'accord. Document, on a un, ok. Fresque, c'est bon. Cache de survie, 1 sur 3. Et cache de monnaie, 2 sur 3. Eh ben, il y a encore du boulot dans l'acropole, hein, croyez-moi. Donc, ce que je vous propose, les amis, on va prendre, eh bien, tout simplement... Ah, je croyais qu'il y avait un feu de camp...
Peut-être les tuer, comment ça se passe, non? Faut les mettre dans le feu? Pas. Faut faire du chicken? Non, c'est pas ça. Ok, bon. Et comment on a pu louper, honnêtement, un coffre d'armes? Très intéressant, je trouve. Si vous avez la moindre idée, n'hésitez pas à me le dire. Hein. C'est bon. Ok, bon, bah écoutez, hop, nous maintenant, prochain objectif, ça va être, finalement, tout ça on avait fait, hop là, est-ce qu'on pourrait pas se rendre? Oh, j'allais dire feu de camp, non, mais vous allez rester avec moi, quoique non. On se retrouve au niveau du document, là-bas, sinon ça va vous faire prendre trop de temps au niveau de la vidéo. A tout de suite! On se retrouve les amis toujours dans la nécropole et je dois vous avouer que j'ai trouvé le défi, à savoir que vous allez trouver, si vous faites le jeu encore une fois de votre côté et si ça vous passionne, hein, parce qu'il faut avouer que c'est vraiment très très long à faire, vous allez trouver des sortes de tentes et ce qu'il faut savoir c'est que vous allez trouver sous ces tentes disséminées partout dans la nécropole, et bien des sortes de petits talkie-walkie, je sais pas si vous allez les voir, on l'avait juste là, voilà, ici qui apparaissent en surbrillance. Et en fait, le but, c'est de les détruire. Il y en a 6 au total, j'en ai fait 5 moi en off, et je vous propose qu'on fasse le dernier ensemble. Voilà. Parfait. Donc le défi est fait, j'en ai profité pour retrouver 2 cages de survie, hein, un petit peu flânant et tout ça. Hein. Ça n'était pas indiqué sur la carte, donc bah écoutez, hein, j'espère que tout est ok. On a le feu de camp ici, très bien, et nous voulions eh bien, nous retrouver tout simplement... Pour le document, à savoir qu'il est là-bas. Je profite pour aller tout doucement pour regarder, pour voir s'il n'y aurait pas de cache de survie. Hein. Vous savez, je suis tombé encore une fois sur des ennemis. Hein. Donc, bah écoutez, hein. On va quand même être méfiant. Voilà. J'aime bien, je les ai pris avec tout simplement ce magnifique pistolet que j'aime de plus en plus, hein, je dois vous avouer. Ok, et notre document, il est... Il est où? Où est-ce qu'il est? What? Attends. Non, ne me dites pas, parce que... Ce qu'il faut savoir, c'est que pour passer, en fait, il faut souvent revenir dans les feux de camp, parce qu'il y a certaines zones, grâce aux explosions et tout ça, en fait, tout simplement, m'ont été bloquées, donc j'ai été obligé de revenir, eh bien, dans les différents feux de camp, via différents allers-retours, hein. Je dois vous avouer que c'est... Plutôt dérangeant, mais bon, c'est pour ça que je vous évite de tout ça, de trouver tout ça, et eh bien, en off. Ok, les amis, non. Ah, il serait là. Pas du tout, non. Ah, ici, d'accord. Ah, on va pouvoir y accéder, ici. D'accord. Et eh ben, vous savez quoi? C'est ce que je pense qu'on va faire ensemble, mais d'abord, on va chercher le document. Il est... Comment on a pu louper le document? D'accord, donc il est juste en dessous. Mais ça, on pouvait pas le faire avant. Donc au final, on fait bien. Allez. Parfait. Très bien. Ah, une nouvelle zone. Une nouvelle zone qui me plaît pas mal. Une sorte de cul-de-sac, on dirait. Il y a peut-être des choses ici. Ok, si on retrouve par ici... Ah, bah très bien. On va pouvoir faire les choses comme on veut. Parfait. Donc déjà, ici. Nous ne pouvons pas lutter contre les Trinitaires. Ils ont forcé nos ancêtres à fuir l'Empire et aujourd'hui ils vont nous porter le coup de grâce. Nous sommes les rescapés d'un peuple autrefois sacré. Seule notre foi est intacte. Je ne vois pas comment nous pourrions les vaincre. Mais je sais que nous pouvons nous battre jusqu'à la mort et que ni Dieu ni le prophète ne peuvent en demander plus. Ok, donc c'est bon pour le document, c'est parfait. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite cage de survie ici? On va quand même regarder... Non. Non, 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 non. Bah écoutez, on va aller chercher celle qui nous trouve. Alors, au niveau de la nécropole, il nous reste quoi?
Il nous reste une cache de monnaie qui est ici. Et une cache de survie que je ne sais absolument pas où aller. Et à mon avis, il va falloir chercher, farfouiller. Et j'aime pas trop parce qu'il va falloir que je refasse la zone au complet. Mais c'est pas grave, rassurez-vous. C'est pour ça que j'essaie de prendre mon temps aussi. Hein. Allez, Lara. Lara, en tout cas, aura bien bossé hein, pendant cet épisode. On aura fait à peu près, bah écoutez, je vais pas vous cacher, un tournage de 5 heures pour vous proposer cette vidéo. Donc j'espère que le format vous aura plu, hein, vraiment. Parce qu'on va pas trop tarder à se laisser. Encore une fois, hein, sachez que c'est vraiment... Ah bah regardez, elle est juste là. Ah bah ça, ça me fait plaisir. Nickel. Très bien. Et maintenant... Ah bah non, c'est celle qu'on avait. On va juste regarder, est-ce qu'il y aurait moyen de remonter? Comment ça se passe un petit peu? Non. Et par ici non plus. Aïe aïe aïe. Je sens que vous voyez en fait, concrètement je vous explique. Comme le chemin est bloqué en fait sur la carte là. Hein, on voit bien hein, qu'il n'y a pas de passage. Il va falloir que je reprenne tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Via, et bien tout simplement ici, le feu de camp. Allez, sur ce je vais le faire de mon côté. Je vais essayer de trouver et bien tout simplement la dernière... La dernière quoi? La dernière cache de survie et bien... Et tout seul dans mon coin. La prochaine fois, lors de l'épisode numéro 30, les amis, on aura bien avancé hein, dans le secondaire. On va encore faire du secondaire, mais cette fois, nous allons faire le complexe. Parce que là, croyez-moi, nous avons pas mal de choses à faire. On a encore un tombeau à faire, une mission à faire. Qu'est-ce que nous avons? Les défis terminés, ça je m'en rappelle. Coffre-fort, il nous en manque. Trésor de la crypte, il faut qu'on la trouve. La crypte, hein. On a des reliques, des documents, etc., etc. Bref les amis, j'espère honnêtement que cet épisode vous aura plu, que le tournage et le montage vous auront plu. N'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter la vidéo. Je vous dis donc à très vite pour la suite de nos aventures. Ciao tout le monde !